Je m'appelle Claire Chauvet et je représente l'association Stop OGM Pacifique, qui est une association basée en Nouvelle-Calédonie qui s'intéresse à la problématique des organismes génétiquement modifiés en Nouvelle-Calédonie et dans la zone pacifique. J'ai fait une présentation donc, sur la menace que représentent les OGM sur la souveraineté alimentaire en Océanie. Et le constat aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de pression et de risques en matière de diffusion des OGM dans la région, car il y a peu de réglementations qui sont mises en place et nous avons interpellé les membres des gouvernements des différents pays sur la nécessité de mettre en place rapidement des réglementations, des contrôles, à la fois en matière d'agriculture pour éviter que les organismes génétiquement modifiés ne contaminent les variétés traditionnelles qui sont les plus aptes à lutter contre le réchauffement climatique. Et également en termes d'étiquetage des produits de consommation, pour que les consommateurs puissent choisir, oui ou non, de consommer des OGM. Donc nos propositions sont effectivement cet accompagnement dans la mise en place des réglementations, mais aussi avant ça, nous souhaiterions que puisse être mise en place une base de données régionale afin de faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui, où sont les cultures. Où sont les essais, comment circulent les semences à travers les différents pays et quels sont les pays qui bénéficient déjà d'une réglementation et sur lesquels les autres États pourraient s'appuyer pour améliorer la sécurité dans le domaine.